Donc, globalement, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. M'a essayé, alors, moi, j'ai l'autre façon, mais c'est copié, m'a copié, là, je dis, m'a copié sous, m'a écrit sous yon bagage, après ça, pour me capable faire ça qui ça qui m'a fait, ça l'air, c'est Alors, c'est Tania, ou gagne ou gagne un compte TikTok là, que vous abonnez avec. Donc, il est facile pour faire, pour aider le rivet journée. Vous voyez, on bagaille bali, la tapé et puis la rentrer sous lui. Vous pensez que c'est facile. Allez, c'est Tania, ou gagne un compte là, vous voyez, j'en tapé là, j'en vois les clients, vous voyez le bali. Ou bien montrer comment vous le faites et puis la rentrer sur lui sans problème. Ou bien, bon, le bagage vous capable de faire, ou partager une vidéo avec lui et puis la joindre automatiquement. OK? Partager une vidéo avec, une vidéo TikTok avec bien aimé ça. Partager la veille et puis la privée joindre. D'accord, c'est Tania. Ok. Est-ce que c'est bon? C'est bon maintenant? Bien-aimé Sœur Tania, est-ce que vous faites ça? Ok, donc demande-lui de monter, enfin de faire la demande, ensuite nous allons accepter la demande. Ok, demande-lui maintenant de monter sur le live et puis ensuite nous allons discuter. Je n'ai pas encore vu de demande. Tout jamais essayé, Non, c'est un niveau et vous et lien en Bali, ça va. Parce que s'il voulait monter, il gagne live là, donc la justice était pour monter. Et ma tour avec tout n'a serviteur et qui voulait participer avec nous tout. À ce là. Oui, à ce alors il pas de quoi il voulait suivre avec nous et Non, pas de problème, il a monté sans aucun problème. N'importe qui qui voulait, pas de problème, rien de problème avec ça. d'accord. Ok, bien-aimé Sœur Tania, est-ce qu'il a eu le lien? Est-ce qu'il est là?
Donc, si pendant tout ce temps, il ne l'a pas fait, donc ça veut dire bien que ce n'était pas vraiment. Ok, je vais laisser. Attendez. Allô, oui, j'ai envoyé les liens, mais je ne sais pas s'ils sont montés ou pas. Les deux m'ont dit oui, mais moi, je ne les vois pas. Parce que j'avais envoyé le lien Facebook, maintenant, tu m'avais dit TikTok, mais là, maintenant, je ne sais pas. D'accord. Tu connais leur nom automatiquement. Est-ce que tu le vois dans l'espace Non, je sais juste qu'il y en a un, il s'appelle Ismaël, je ne le vois pas. Puis l'autre, ben, je ne sais pas c'est quoi son nom, là, c'est Afrique quelque chose. Ah, d'accord. Ben, on les attend s'il arrive de le voir. Autrement, nous allons avancer et faire autre chose. OK? Donc, nous allons faire autre chose. OK? OK, nous allons faire autre chose. Alors, j'imagine que leur objectif, c'était plutôt de venir discuter avec nous pour, je ne sais pas, prétendre, prouver le contraire que Jésus-Christ n'est pas celui qu'on confesse qu'il est. Donc, j'imagine c'était à ce niveau-là, c'était sur ce point-là. Et c'est ce qu'ils veulent, surtout nous prouver. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, si quelqu'un veut me prouver que Jésus-Christ soit n'est pas Dieu ou Jésus-Christ n'est pas le Père, donc vous êtes la bienvenue. Bienvenue à 100 000%. Bienvenue. Et puis, prouvez-moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou Jésus-Christ n'est pas le Père. Donc, il n'y aura aucun problème, aucun souci à ce que nous partagions la parole convenablement sur ce point et sur ce sujet. OK. Donc, comme je le dis souvent, quand nous sommes en direct, nous sommes obligés de faire nos lives en français. Et toutefois que la personne que nous avons comme invitée n'est pas quelqu'un qui parle créole, parce que quand nous avons une invitée, que ce soit l'invité, c'est quelqu'un que soit qui parle français ou créole ou peu importe une autre langue. Donc, à ce moment-là, nous serions dans l'obligation de nous exprimer en cette langue-là pour pouvoir établir la compréhension et discuter ensemble avec notre invité, puisque notre invité sera et disons, comme moi au milieu de nous, parce que nous les aurons reçus avec joie et contentement, et la joie surtout de partager la parole de Dieu et d'établir la lumière et de faire briller, faire jaillir cette lumière qui n'est pas chez tous, mais seulement chez ceux que le Seigneur Jésus avait prédestinés à être lu et à être sauvé au nom de Jésus-Christ. Donc, ils ne sont toujours pas là. Donc, cela veut dire, apparemment, ce n'était pas quelque chose de sérieux. Je ne crois pas que c'était sérieux, mais j'attends de voir cette personne ou quelqu'un qui me prouvera le contraire, que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou que Jésus-Christ n'est pas le Père. Ou qu'il est Dieu, il n'est pas le Père, ou qu'il n'est pas Dieu du tout. Parce que dit qu'il est Dieu, donc vous êtes mal barré. Dit qu'il est Dieu, qu'il n'est pas le Père, vous êtes encore mal barré au carré. Donc, avec la Bible en main, donc je ne sais pas si quelqu'un peut le faire ou prouver le contraire, puisque nous sommes dans la vérité de la révélation de l'évangile de Jésus-Christ, ce que tous les apôtres avaient pris le temps de révéler ou de partager avec nous.
Tout comme le Seigneur l'avait dit dans Jean 17, le verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, puisque le nom du Père a été révélé, donc automatiquement, je sais que ce nom n'a pas été révélé aux païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce nom n'a pas été révélé aux musulmans. Ce nom n'a pas été révélé aux protestantistes, aux adventistes, aux témoins de Jéhovah. À tous ceux, je parle de tous ceux et celles qui n'ont pas reçu la révélation du Fils de Dieu. Comme dit dans Éphésiens 4, nous avions vu ça la dernière fois lorsque nous étions en train d'examiner la parole de Dieu. Donc, l'objectif même des dons ministériels que le Seigneur avait donné à l'Église. Donc, l'objectif, c'était le perfectionnement de l'Église. Donc, automatiquement, j'aime quand le texte a dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas le corps d'un homme, ce n'est pas l'église d'un homme, parce que moi j'ai du mal à accepter, même à écouter de mes oreilles un soi-disant pasteur qui dit ou qui parle dans ses expressions qui relate mon église, mes fidèles. Or, l'église est le corps de Christ. On ne peut pas être le membre d'un pasteur ou d'un homme ou peu importe la personne. On ne peut être que membre du corps de Christ, donc membre de Christ, mais pas membre d'un pasteur, pas membre d'un homme, pas membre d'un je ne sais quoi, un prophète. Non, nous sommes membres de Jésus-Christ, puisque l'Église que nous formons est le corps de Christ. Donc nous formons ce corps, nous constituons les membres de ce corps, donc les membres du corps de Christ. OK? Donc, quand un pasteur dit, c'est mon Église, ce sont mes fidèles, c'est un pasteur ignorant, c'est un pasteur insensé. C'est un pasteur qui n'a pas reçu la révélation de la parole, parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu un apôtre dans ses écrits qui disait que mon église m'est fidèle. Non, ce sont les fidèles de Jésus-Christ, comme dit le texte. Donc, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Laissez-moi, l'apôtre avait dit une parole quelque part qui me vient à l'esprit. J'aimerais regarder cette parole. OK. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Donc l'apôtre n'a même pas dit mon église. Il a dit l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc ce n'est pas un homme qui avait acquis l'église, mais c'est Jésus-Christ lui-même par son sang. Donc c'est le Saint-Esprit qui établit des hommes sur ce troupeau pour paître les troupeaux du Seigneur. Donc, ce ne sont pas les fidèles d'un homme ou les brebis d'un homme, mais ce sont les fidèles et les enfants de Dieu. Donc, quand un pasteur vous appelle mon fidèle, mon membre, mes fidèles, là, demande le pasteur, est-ce que tu as toute ta tête? Est-ce que tu as vraiment lu ta Bible? Est-ce que tu es vraiment un homme appelé? Parce que tu m'appelles ton fidèle. Je ne suis pas ton fidèle, je ne suis pas ton membre. Parce que tu n'es pas Christ, pasteur. L'église n'est pas ton église. Parce que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Donc l'église ne peut pas être appartenue à deux hommes différents, Jésus et un autre homme. Et l'église, lui, comment dire, l'église est tellement, c'est comment dire, c'est sa possession, c'est son propriété. Il a déclaré l'église de Jésus-Christ à son nom. Déclaré dans l'état à son nom. OK? À son nom, mes bien-aimés. Déclaré dans l'état à son nom. Et il a
son diplôme pour exercer. Hein? Avec un diplôme. Donc, c'est-à-dire professionnellement, c'est légal d'exercer ce pouvoir sur ce qu'on appelle une entreprise, qu'on appelle l'église, qui appartient à un homme, à sa famille, à ses enfants. Et l'église n'est pas à l'église vraiment. Quand je dis l'église n'est pas à l'église, vous comprenez ce que je dis? Le bâtiment là, ce n'est pas à l'église, c'est à un homme. C'est au soi-disant pasteur. C'est pour lui, sa famille, sa femme, ses enfants. Et vous, vous êtes comme des cabris, vous êtes comme des bêtes ayant, étant la possession d'un homme. Parce que si ces gens de pasteurs arrivent à vendre, entre guillemets, l'église, parce que ils ont fait faillite, parce que on a beaucoup de témoignages pareils des pasteurs qui ont vendu leurs églises. Qui ont vendu leurs églises et quelqu'un d'autre ou un autre pasteur a acheté l'église. Et je vous dis, si vous êtes dans un soi-disant bâtiment, vous êtes un groupe de personnes, que un soi-disant pasteur avait acheté comme étant une église qu'il avait achetée, acquis avec son argent, n'espérez pas la vie éternelle. N'espérez pas que vous allez être enlevé parce que vous appartenez à un homme et cet homme vous a acheté avec son argent. Et n'osez jamais venir le questionner sur l'argent qui entre dans ce bâtiment, dans ce camp de concentration. Parce que c'est son église à lui, ce sont ses fidèles, vous êtes des cabrites, vous êtes des bêtes qui appartiennent à cet homme-là. Il a tout le droit sur vous. Aujourd'hui, il peut décider de vous vendre. Il vous vend et ensuite il a acheté une autre église. Donc, ce sont leurs habitudes. Ils le font quand ils veulent. Mais c'est vous qui ne savez pas. Et quand vous êtes... Alors, il y a Ismaël qui dit que je suis là. Ok, Ismaël. Donc, si tu es là, tu fais la demande et puis je te reçois. Faites la demande et je t'accepte, Ismaël. On y va, il y a Ismaël. Ok, Ismaël est là. Je t'invite à monter et tu es là. Alors, après Ismaël, il y avait un autre, c'est ça? Vous étiez deux. Ok, Ismaël, bienvenue dans notre live sur le fondement des apôtres. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, grâce à Jésus-Christ, nous allons bien. D'accord. Alors, c'était quoi l'objectif de cette volonté de vouloir participer avec nous dans le live sur ce fondement? Participer au live et puis bon, peut-être participer à l'échange. Ok, d'accord. Sûrement, bon, moi je suis musulman déjà de base. Mm-hmm. Donc je participe juste à ce live pour peut-être, bon, pas peut-être, mais pour juste comprendre et connaître et apprendre encore plus ce que je sais déjà. J'apprécie l'intention. J'apprécie vraiment l'intention. Alors c'est comme quand nous avions eu Michel et Gaïda hier soir, que nous avions vraiment apprécié leur présence avec nous. Alors, et c'était sur quel sujet que tu voulais enrichir ta connaissance, ou plutôt partager? C'est sur la divinité de Jésus-Christ ou autre chose? J'aimerais savoir si qu'est-ce que vous pensez de la Trinité? Est-ce que vous êtes pour la doctrine selon laquelle Dieu il est trinitaire? Alors déjà, pour que je puisse donner mon avis sur la doctrine si Dieu est trinitaire, il fallait que la Trinité existe. Ah oui, en principe, oui. Parce que je ne peux pas donner mon avis sur quelque chose qui n'existe pas. Sauf que, par exemple, il y a les frères avec qui j'ai discuté, qui ont défendu bec et ongles que la Trinité est dans la Bible, que Dieu il est trinitaire, tout ça. Donc j'aimerais savoir votre point de vue.
Alors, quand ils disent que Dieu est trinitaire, cela veut dire bien, par définition, ça veut dire exactement quoi? Est-ce qu'ils vous ont partagé leur définition selon leur pensée? C'est quelle définition qu'ils ont donnée par rapport à cette trinité? Déjà, bon, il a été hostile avec moi au départ, mais bon, du coup, après, il donnait le passage, par exemple, de la Bible. En fait, il fait une liaison entre Jésus et Dieu, en fait. Une Ils disent liaison que entre oui, Jésus et Jésus a Dieu. dit que Dieu a sa gloire et aussi, enfin, que le Père puisse glorifier le Fils. Ils ont donné plusieurs passages où il justifie, par exemple, pour Jean 10, verset 30, Jean 14, Jean 5 aussi, verset, en tout cas, plusieurs versets où il explique en disant, oui, Dieu, il est trinitaire. Il est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec tout ça. Bon, j'aimerais vraiment connaître votre point de vue sur ça. Déjà, est-ce que vous concevez la Trinité? Et si vous ne concevez pas la Trinité, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là pour leur montrer que la Trinité n'est pas quelque chose de biblique et ça ne peut pas être la foi, ça ne peut pas être une base sur laquelle on va mettre la foi? Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas opiner sur la Trinité puisque ça n'existe pas. Et je vais avancer bibliquement sur mon avis et ma position en tant que ministre de l'Évangile. Donc, Très bien, ça marche. Merci alors, beaucoup. il y a une dernière question que j'aimerais te poser, Ismaël. Est-ce qu'ils ont donné au moins une petite définition par rapport à la Trinité? Cela veut dire quoi, Trinité? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu en trois personnes ou qu'il y a trois dieux? Parce que j'entends qu'il y a Trinité, il y a trithéiste. Donc, Ah oui, ça. oui, bien sûr, c'est ça. En fait, ils ont vraiment parlé de la Trinité. En fait, ils disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels. De base, moi, en tout cas, je ne vois vraiment pas de logique dans cette manière de concevoir Dieu. Mais ils disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels. Que lorsque le Père devient le Fils, le Père effectue aussi une manifestation. Et cette manifestation-là, c'est Jésus. Mais le Père n'est pas. Tu vois, en fait, c'est vraiment confus, en fait. Il faut vraiment un bon catholique ou un bon adepte de la Trinité pour vraiment rentrer dans les profondeurs. Mais bon, j'aimerais vraiment qu'on ait, puisque j'ai vraiment écouté leur point de vue, leur manière d'expliquer la chose. C'est assez confus, puisque dans les textes, ils disent que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, en fait, etc. En fait. Mais que Ouais. Dieu, il est tri-T-I-R. Voilà, c'est un peu Oui, ça la situation. ils ont une sorte de cercle. Je me rappelle que j'avais vu ce cercle une fois, enfin quand j'enseignais, et je crois aux Antilles, et j'avais vu un cercle pareil qu'ils ont fait pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Père, mais le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais sauf que bon, c'était en fait de la démagogie totale. De la démagogie totale. Alors, nous allons juste faire une démonstration biblique. Pas trop longue pour te comprendre, pour te permettre de voir les choses un peu. OK? Merci beaucoup, ça marche. OK. Alors, comme je viens de dire que la Trinité n'existe pas, je ne donne pas mon avis sur la Trinité, mais je vais donner mon avis sur le fait que la Trinité ne peut pas exister, parce que pour qu'il y ait l'existence de la Trinité, il va falloir supprimer pas mal de textes. Et d'ailleurs, il va falloir commencer dans l'Ancien Testament, commencer par Ésaïe 43, 10. Commencez par Deutéronome, le chapitre 4, je crois. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Donc, il y a pas mal de textes qu'il fallait modifier, enlever, supprimer pour permettre qu'il y ait au moins un changement de prophétie. Donc, ça dit, il va falloir au moins reprogrammer tout, retourner dans le temps et reprophétiser de manière à prouver qu'il y a vraiment la Trinité, c'est-à-dire l'existence d'un Dieu qui n'est pas le Père, d'un autre Dieu encore qui n'est pas le Père, donc ça donne un Dieu qui est esprit, un Dieu qui est le Fils, un autre Dieu qui est le Père. Mais
au-delà de toutes ces choses, nous arrivons à comprendre une chose, c'est que les démons devant ces gens, dans Jacques chapitre 2, le verset 19, l'apôtre a dit, vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous faites bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Donc, ce qui a attiré mon attention, c'est que les démons, bien qu'ils soient des démons, ils ont la connaissance de l'existence d'un seul Dieu. On est d'accord, un seul Dieu. Maintenant, si Jésus-Christ est venu, il est venu en passant par Marie. Maintenant, la question que nous allons poser, est-ce que Marie est la mère de Jésus dans la révélation? Ou c'est la mère de Jésus littéralement? Parce que la question c'est que si Marie est la mère de Jésus, c'est que Jésus a les ADN de Marie en lui. Et si Jésus contient les ADN de Marie, comme disent les églises traditionnelles, il est 100% homme vraiment. Et il n'est pas Dieu. Parce qu'il ne peut pas être Dieu et qu'il contient l'ADN d'un humain. C'est impossible. Maintenant, la question maintenant. Dans Matthieu 1, le verset 20, il est écrit, je prends juste la dernière phrase, Marie, l'enfant que tu as conçu, vient du Saint-Esprit. Donc, quand je dis Ismaël, l'enfant que Samantha a conçu vient de toi, qu'est-ce que je déclare? Je déclare que, tu es le père de cet enfant, Ismaël. Quand Matthieu 1, 20 nous dit que Marie, l'enfant que tu as conçu vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'ange Gabriel déclare que le Saint-Esprit est le père de qui? De l'enfant. Maintenant, notons cela. Matthieu 1, 20. Le Saint-Esprit est le père de l'enfant. Ok, Matthieu 1, 20. Nous allons faire notre démarche tranquillement et nous allons comprendre et nous allons juste prouver l'existence d'un seul et unique Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux, ni trois. Et si vous croyez dans deux ou trois dieux, vous êtes idolâtre, vous ne pouvez pas être sauvé. Et quand vous priez, Dieu ne vous entend pas parce que Dieu n'entend pas les idolâtres. Comme disait l'apôtre dans 1 Jean 5, le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, Matthieu 1, le verset, Matthieu 1, le verset 20, hein, le Saint-Esprit, ok, est le père de l'enfant. On est d'accord? Ok. Donc, le Saint-Esprit est le père. Ok? Maintenant, l'enfant là, dans Jean, le chapitre 1, le verset 1, ok? L'enfant là, on nous dit que c'est la parole. Selon le verset 17, alors, attendez, est-ce que c'est le verset 17? Plutôt, selon le verset 14, parce que le verset 17 c'est un autre, quelque chose d'autre. Selon le verset 14, on nous a dit que, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. J'avais dit quoi? Le Fils, comme nous venons de voir, l'enfant qui est Fils, le Fils, c'est la parole, Jean 1, 1.
Le Fils est la parole. Apocalypse 17, Apocalypse 19, verset 13. Hein? Apocalypse 19. Alors, notez ce texte, s'il vous plaît. Je parle un peu rapide. Si je vais trop vite, demandez-moi, je vais ralentir. Apocalypse 19, 13. Est-il le terre reverti d'un vêtement teint de sang? Son nom est la parole de Dieu. Donc, si son nom est la parole de Dieu, or, dans Jean 1:1, la parole, c'est Dieu lui-même. Comme dit Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En sachant que la parole, c'est le Fils. Donc, automatiquement, le Fils est Dieu. Mais le Fils là qui est Dieu, son Père, selon Matthieu 1, 20, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit là, est-ce que l'Esprit est Dieu? Jean 4, 24, on m'a dit que Dieu est Esprit. Donc l'Esprit aussi est Dieu, tout comme le Fils est Dieu. On est d'accord jusqu'à présent? On avance plus devant. Enfin, juste de parler de mots de créole, puisque j'ai de bien aimé en créole ici. Ok, on avance. Dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, le Fils est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Hein? Le Fils qui est Dieu, selon Jean 1, 1, il est aussi Esprit, selon Jean 4, 24. Ce qui fait que Matthieu 1, 20, le Saint-Esprit, c'est le Père. Il est Dieu. Jean 1, 1. Le Fils là qui est la parole là est Dieu. Dieu est Esprit, le même Esprit qui est le Père. Ok? Ensuite, nous avançons dans, pour expliquer ça juste dans une phrase, parce que je veux vous présenter cela bien. Dans Matthieu 3, le verset 15, 16, 17, ou plutôt le verset 16, 17. Le verset 16, 17, Matthieu 3. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu, souligné Esprit de Dieu dans Matthieu 3, 16, descendre sur lui comme une colombe, et venir sur lui. Verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. 1. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. 1. Jésus, le Fils. 2. L'Esprit qui descend, qui est le Père selon Matthieu 3, Matthieu 1, 20. Ok? Et 3. Le verset 17, la voix qui fut entendre. Maintenant, si nous nous posons la question sagement, Matthieu 1, 20 nous avait déjà dit que le Saint-Esprit est le Père de l'enfant. Quand Jésus est sorti de l'eau après avoir été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. On est d'accord, Ismaël? L'Esprit là qui est descendu sur lui après le baptême, c'est quel esprit? Matthieu 1, 20. C'est le Père. Qui est descendu sur lui, parce qu'on nous a dit dans Matthieu 1, 20 que l'Esprit était le Père de l'enfant. Maintenant, si on m'a dit que l'Esprit est descendu sur lui, maintenant, je ne connais pas deux ni trois esprits. Je suis dans Matthieu. Je commence à lire le chapitre 1er, chapitre 2. Chapitre 1er, on m'a dit que l'Esprit est le Père de l'enfant. Je passe le chapitre 2, chapitre 3. En arrivant là, on m'a dit l'Esprit est descendu sur l'enfant. Mais quel esprit qui est descendu sur l'enfant? C'est l'Esprit là qui était son Père qu'on m'a parlé de l'Esprit. On vient de me parler de l'Esprit dans Matthieu 1, 20. Maintenant, si on m'a dit l'Esprit est descendu sur cet enfant-là, mais c'est son Père qui est descendu sur lui. Donc, ça dit c'est l'Esprit qui est le Père qui a conçu l'enfant. On est d'accord? Maintenant, en arrivant dans le verset 17, on m'a dit une fois ce fut entendre. Qui dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, s'il dit mon fils, c'est encore qui? C'est le Père qui parle. Parce qu'il parle, il dit mon fils.
Donc, s'il parle de mon fils, qu'est-ce que je comprends encore? C'est encore l'esprit qui avait conçu l'enfant dans Matthieu 1, 20, qui est descendu sur l'enfant, qui a dit que cet enfant, c'est ma parole, parce que fils veut dire parole. Donc, automatiquement, je comprends, verset 16, verset 17, c'est l'esprit qui descend sur l'enfant et c'est l'esprit qui parle. Puisque dès le commencement, comme dit Jean 1, 1, au commencement, Dieu parlait. Donc, c'est encore lui qui parle. Mais nous savons qu'il parle parce que il y a la parole qui sort de la bouche de l'esprit. Parce que si l'esprit ne parlait pas, nous ne saurions pas que l'esprit avait la parole. L'esprit parle pour révéler son existence. Donc, maintenant, la question maintenant, nous avons compris que Matthieu 1, 20, c'est l'esprit qui est le père de l'enfant que Marie a conçu. 1, 2, c'est ce même esprit-là qui est descendu sur l'enfant après le baptême. 3, c'est ce même esprit-là qui a parlé en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Puisque s'il dit « fils », c'est qu'il parle en tant que père. Donc, c'est l'esprit encore. Maintenant, la dernière question que nous allons nous poser. Nous avons compris que l'esprit de Matthieu 1, 20, c'est le même qui est descendu sur Jésus et c'est le même qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Mais cet esprit-là, c'est qui? Jean 4, 24 nous dit « C'est Dieu. » Donc, Dieu, en tant qu'esprit, a conçu l'enfant. Comment il a conçu l'enfant? Romains 8, le verset 2, le verset 3, pardon, Romains 8, 3, nous allons juste voir la conception de l'enfant. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, c'est que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils né dans une chair semblable. Je veux que vous prêtiez attention avec le mot semblable, que vous prêtiez attention à cela. Semblable à celle du péché. Je vais répéter, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Donc si cette chair est semblable à celle du péché, donc ce n'est pas la chair du péché. Cette chair est semblable à la chair du péché. Raison pour laquelle Jésus n'avait pas l'ADN de Marie en lui, parce qu'il est Dieu. Dieu ne peut pas avoir l'ADN humain en lui. Non. Ça n'existe pas. Il n'est pas 100% homme, comme on le dit. Non, il n'est pas 100% homme, parce que Dieu ne peut pas avoir de l'ADN humain. Bon, Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'un ADN humain va faire dans un esprit? Comment un esprit peut avoir l'ADN humain? Hein? Maintenant, on va me dire, mais serviteur, il est Dieu, mais il est mort. Mais c'est l'enveloppe que Dieu avait formée qui représente la parole de Dieu. Qui n'est même pas morte, mais plutôt qui s'endormit. Puisque pendant que l'enveloppe s'endormit, c'est-à-dire Dieu ne parlait, Dieu a arrêté de parler avec les hommes, en tant que parole faite chair, mais il était allé parler avec, aux morts, qui étaient en captif. Donc, il ne parlait pas sur terre, mais il parlait dans les profondeurs. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas mourir. C'est pour cela que l'apôtre a dit, l'apôtre Pierre, il est mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, il vit. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. De Corinthiens 3, 17, le Seigneur, c'est l'esprit. L'esprit ne peut pas mourir et un esprit ne peut pas avoir l'ADN d'un humain. On ne peut pas dire que Jésus-Christ avait l'ADN de Marie, il est 100% homme. Non. C'est faux. Personne ne peut prouver cela. Parce que ce qui s'est passé avec Marie n'a rien à voir de ce que mon père et ma mère avaient fait pour me mettre au monde. Cela n'a rien, absolument rien à voir. Quand on parle de Jésus en tant que fils,
Il est fils dans la révélation. Ce n'est pas un fils littéral. Parce que comment on dit le fils est né? Lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Voici la naissance du fils, la naissance de la parole. Parce que pour la première fois, Dieu ouvre sa bouche et dit que la lumière soit. Et quand on dit que la lumière soit, c'est la première fois, la parole a existé. La parole a existé, la parole a été prononcée, une phrase a été prononcée. On entend la voix de Dieu, on entend quelque chose. On dit que on appelle ça la parole quand Dieu disait ou quand Dieu avait dit que la lumière soit. Et on appelle la phrase de que la lumière soit le Fils. On appelle la phrase que la lumière soit la parole. On appelle la phrase que la lumière soit hein, le langage de Dieu. On appelle la phrase que la lumière soit Dieu lui-même. Parce que le Fils n'était pas né avant le commencement. Puisqu'avant le commencement, il était Dieu, il ne parlait pas. Donc, il ne pouvait pas avoir l'existence ou la naissance du Fils. Parce que pour que le Fils puisse exister, il fallait que Dieu parle pour que la parole existe, pour que le Fils puisse naître. Mais comme avant le commencement, Dieu ne parlait pas encore, le Fils n'était pas encore né. Dans le commencement, Dieu dit que la lumière soit, le Fils est né. La parole est née, la parole existe. Donc c'est pour cela qu'on dit le Fils de Dieu, autrement dit, la parole de Dieu. Quand vous dites Fils de Dieu, vous voulez dire parole de Dieu. Ou autrement dit, puisque parole c'est Dieu selon Jean 1:1, vous dites Dieu de Dieu, ou bien Dieu qui vient de Dieu, ou Dieu qui est Dieu. C'est ça la définition Fils de Dieu. Parce que les gens disent, par exemple, quand ils prononcent, ils disent Fils de l'homme. Ils ne comprennent pas ce que veut dire Fils de l'homme, l'expression Fils de l'homme. Ce n'est pas une expression littérale. Quand on dit fils de Dieu, ce n'est pas une expression littérale. Nous ne pouvons pas comprendre cela comme nous lisons dans un livre, dans un roman. Non. Fils de Dieu veut dire autre chose. Fils de l'homme veut dire autre chose. D'accord? Donc, nous avons vu que le Saint-Esprit était le Père de l'enfant dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 16-17, nous avons constaté que l'esprit qui descendait sur l'enfant était ce même esprit-là qui avait conçu l'enfant dans Marie, donc le père de l'enfant même qui est descendu sur lui. Et nous avons vu dans le verset 17, Matthieu 3, que c'est ce même esprit qui est le père de l'enfant qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Maintenant, si on a vu l'esprit dans le verset 17, le verset 7, on a vu l'esprit. Encore, c'est l'esprit qui parle. Mais il y a combien d'esprits? Et on a vu que l'esprit était Dieu et on a vu que le Fils était la parole est Dieu et on a vu que le Fils est esprit aussi. Donc si le Fils est esprit, si le Fils est esprit, Dieu est esprit. Le Père qu'ils disent qui n'est pas Jésus là est esprit. Le Saint-Esprit qu'ils disent qui n'est pas Jésus là, c'est esprit aussi. Jésus lui-même, c'est esprit. Maintenant, combien d'esprits avons-nous? Est-ce qu'un esprit peut descendre sur un autre esprit? Comment? Une bonne remarque, c'est une bonne remarque. Exactement. Est-ce qu'un esprit peut descendre, ou plutôt deux esprits peuvent descendre sur un esprit? Esprit qui rentre dans un esprit. Donc, voyons voir, nous allons voir est-ce combien d'esprits qu'il y a. OK? Voici dans Éphésiens 4, nous allons voir beaucoup. Éphésiens 4 va éclaircir pour nous beaucoup de questions automatiquement. Éphésiens 4, le verset 4, 5 et 6. Il y a un seul corps. Et et un seul esprit. Soulignez cela. Un seul esprit. Donc, s'il y a un seul esprit, donc, cela veut dire clairement, il y a un seul esprit. On est d'accord?
L'enfant qui a été conçu en mal, qui est le père? Matthieu 1, 20. C'est l'esprit, n'est-ce pas? Ok. Le père, qu'ils disent qu'il n'est pas Jésus, selon Jean 4, 24, il est qui? C'est l'esprit. Jésus, qui est le Seigneur, qu'ils disent c'est un fils, il n'est pas Dieu ou bien il n'est pas le père, il est qui en réalité? 2 Corinthiens 3, 17. C'est l'esprit. Le père, c'est l'esprit. Le fils, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit. Maintenant, Éphésiens 4, 5 nous dit, il y a un seul esprit. Qui a descendu sur Jésus après le baptême? Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a descendu sur Jésus. Jésus est-il l'esprit? Ouais, je pense oui. Selon sa nature. Donc, combien d'esprits avons-nous? Si on dit quoi, ça fait pas mal d'esprits en tout cas. Trois ou je sais pas. Mais bibliquement, on a combien d'esprits? Trois, je pense bien. Non, je dis, j'ai bien dit, bibliquement, on a combien d'esprits? Bibliquement. Bibliquement, non, c'est un seul esprit. Un seul esprit. Bibliquement, un seul esprit. Bon, je vais passer pour ça. Je dis un seul esprit. OK? Parce que nous venons de lire un seul esprit. Je vais reposer la question. Parce que je vais avoir une autre question, une autre réponse. D'une autre façon. Qui est descendu sur Jésus après le baptême? C'est l'esprit. Mais l'esprit là, c'est qui? Ça, je sais vraiment pas, mais il sait que c'est l'esprit. Non, mais monsieur. Bon, ok. Selon 2 Corinthiens 3, 17, l'esprit c'est qui? L'esprit divin. Est-ce que tu as une Bible avec toi? Non. En fait, c'est dans mon téléphone. Ah non, t'as pas une Bible chez toi, non? Comme tu n'utilises pas de Bible, comme tu dis, tu es musulman, c'est ça? Bon, dans mon ordinateur et dans mon téléphone. Mon ordinateur n'est pas à côté de moi. Ok. Selon 2 Corinthiens 3, 17, Ismaël. Mm-hmm. Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Ah oui, Jésus est l'Esprit, oui. Donc, Allah, ça fait beaucoup d'esprit. Jésus est l'Esprit. Et Éphésiens 4, 5 nous dit qu'il y a un seul Esprit. Ok. Donc tout ça, ce sont juste des esprits qui se sont manifestés, le même esprit qui s'est manifesté. Non. Ce n'est pas, ce ne sont pas des esprits qui se sont manifestés en un seul esprit, non. Non, je voulais dire que non, c'est un esprit qui s'est manifesté. Ce sont les différentes manifestations du même esprit. Exactement. C'est plutôt la vraie, vraie parole. Un seul esprit qui se présente différente à chaque dispensation de manière différente. Ok. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit. Et c'est cet Esprit-là dans Matthieu 1, 20 qui a conçu l'enfant. C'est cet Esprit-là qui est Dieu. C'est cet Esprit-là qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est cet Esprit-là qui est descendu sur Jésus. C'est cet Esprit-là qui est Jésus. Puisqu'il y a un seul esprit. Un, nous devons reconnaître, souligner dans la parole de Dieu, qu'il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur. Un seul Créateur. Un seul Sauveur, un seul nom. Et un seul homme. Un seul qui est assis sur le trône. Et vous devez garder ça en tête pour comprendre la Bible. Maintenant, si Jésus est esprit, ok? Jésus est esprit. Mais s'il est esprit, et qui est descendu sur Jésus après le baptême?
C'est la manifestation, ce sont les différentes manifestations de l'esprit primaire ou l'esprit authentique ou l'esprit en général, avec grand E. L'esprit en général, c'est lui Dieu. C'est ça, Dieu est descendu sur Jésus. Mais Jésus est qui, lui? Selon le livre de Corinthiens, Jésus est l'esprit, non? Oui, nous venons de voir Jésus est l'esprit, mais Jean 4, 24, c'est Dieu qui est l'esprit. Dieu est l'esprit, oui. Jean 1, 1, Jésus, en tant que la parole, c'est Dieu. Ouais. Donc, je repose la question. Qui est descendu sur Jésus après le baptême? T'as compris ma question? Bon. En tout cas, le passage dit que c'est l'esprit qui est descendu sur Jésus. Exactement. Jésus a-t-il l'esprit, Ismaël? Ouais, selon les différents passages. Donc, si Jésus est l'esprit, l'esprit est descendu sur Jésus. C'est qui est descendu sur Jésus alors? Bon, là, je ne sais pas. Bon. Non, mais parce c'est. Qu'on a dit qu'il n'y a pas plusieurs esprits. Il y a exactement, on est d'accord, il faisait 4-5. Il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit. Jésus, c'est l'esprit. Et l'esprit est descendu sur Jésus. Qui est descendu sur Jésus en réalité? Bon, là, je ne saurais pas comment vous répondre parce que. Bon, je sais pas, répondez-moi, vous pouvez répondre parce que c'est un peu. Mais la réponse est déjà dans l'air, Ismaël. Jésus est esprit, l'esprit est descendu sur Jésus après le baptême. Qui est descendu sur Jésus? Bon, on va dire que c'est Jésus lui-même. C'est juste ce que je voulais entendre, Ismaël. Il y a un seul Dieu. Ce seul Dieu est esprit. Ce seul Dieu est la parole. Ce seul Dieu est fils. Ce seul Dieu est Père. Ce seul Dieu est l'esprit. Mais l'esprit est descendu sur Jésus. Jésus, c'est l'esprit. Mais qui est descendu sur Jésus en réalité? Jésus qui est descendu sur Jésus. Ou tout comme si j'avais posé la question, qui a envoyé Jésus? Jean 12, 45. Jésus qui a envoyé Jésus? Jean 12, 45. Jésus qui a envoyé Jésus? Vous allez me dire Jésus, ou quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas le Père. Mais qui peut prouver que Jésus n'est pas le Père? Qui peut prouver que Jésus n'est pas le Créateur? Qui peut prouver que Jésus n'est pas Dieu? Et qui peut prouver qu'il y a plus qu'un seul Dieu unique? Il n'y a pas d'autre. Qui peut prouver que Dieu n'a pas de fils littéralement? Parce que Jésus est fils dans la révélation. Il n'est pas fils dans la doctrine. Il n'est pas fils dans la connaissance. Il n'est pas fils dans la prophétie. Dans la prophétie, il est le Dieu de toute la terre. Dans la doctrine, il est le Dieu de toute la terre. Hein? Dans la connaissance, il est le Dieu de toute la terre. Mais dans la révélation, il est fils. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit dans la création, Genèse 1, 3, que la lumière soit, c'est la naissance du fils. Dans le commencement. Puisqu'avant le commencement, le Fils n'était pas encore né parce que Dieu n'avait pas encore parlé pour que la parole puisse exister. D'accord, je vois. Est-ce que tu as compris, Ismaël? Je vois. Ok. Je comprends. En tout cas, je voulais comprendre vraiment, parce que maintenant, je pense que j'ai une réponse claire par rapport à ces deux positions-là. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces brillantes exposées. C'était vraiment très édifiant. Amen, Ismaël, amen. Merci donc, beaucoup, pour résumer, on a conclu qu'il y a un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Père, un seul Sauveur, un seul. Donc, quand quelqu'un va parler de trithéisme, cet homme-là qui parle de trithéisme, cet homme-là est un démon. Cet homme-là qui parle de la Trinité-là, c'est un démon. Parce que quelqu'un qui parle de la Trinité, c'est quelqu'un qui a osé défier la puissance de Dieu. C'est un démon.
ce n'est aucun démon. Tous les pasteurs qui prêchent la Trinité ou la trithéiste ou toutes les personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou n'est pas le Père, vous êtes animés par un démon. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous n'êtes pas appelé par Dieu parce que Dieu vous aurait, se serait révélé à vous si Dieu vous avait appelé vraiment. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'adorer, de servir un Dieu qui ne s'est même pas révélé à vous. Qui ne vous dit pas comment il s'appelle, parce que la dernière fois, il y en a un qui me parle d'un père qui n'est pas Jésus. Je lui ai demandé comment s'appelle ce père. Il ne connaît même pas le nom du père. Un père qui n'est pas Jésus qui existe, il n'a pas de nom. Il n'a pas de trône. Hein? Son nom n'est pas le seul nom. Il n'a même pas de trône. Oh, il est père. Il n'est pas Jésus. Pendant ce temps sur le trône, il n'y a que Jésus assis sur le trône. Que vous le vouliez. Sinon, vous ne voulez pas. À l'époque, comment? Et ça, c'est le Père Noël. Oui, c'est le. Il parle du Père Noël. Parce que le Père Noël n'existe pas. Il n'a pas de trône. Il n'a pas de trône. Et il n'a pas de nom. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas de nom. Et donc, ce qu'il fait, c'est une catastrophe pour les églises traditionnelles de parler ainsi, et je mets en défi tout pasteur, en fait, tout pasteur traditionnel, que peu importe que vous soyez de votre religion, venez prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou que Jésus-Christ n'est pas le Père. Et je vais voir dans, à quelle Bible que vous allez prouver cela. Et vous allez où pour prouver cela. Donc, Ismaël, merci infiniment pour ta participation. Comme je l'ai dit, moi, je veux comprendre, ouais, je respecte la foi de tout un chacun. Et je suis venu ici vraiment pour comprendre. Vraiment, je comprends et vraiment, merci beaucoup. C'est très, très, très gentil de votre part. D'accord. Mais dis-moi, donc, toi, tu as dit quelle confession encore, tu m'avais dit? Dans un temps. Ok, tu m'avais dit que tu étais à l'école. Profession? En confession? C'est coupé, j'ai pas bien compris. Ouais, tu avais dit, tu étais de quelle confession, pardon? Oui, je suis musulman. Mais est-ce que tu te poses la question? Et est-ce que comment pour toi Jésus-Christ est qui? Est-ce que tu crois en Jésus d'abord? Ah, l'islam nous demande de croire en Jésus. Nous, pour nous, Jésus est un prophète. Selon l'islam, Jésus est un prophète. Selon Jésus, on le respecte. Mm-hmm. Mais comme je l'ai dit, mm-hmm. on croit que Jésus c'est un grand prophète. Mm-hmm. Rien de très important en l'islam. Dans l'islam. Et voilà quoi, c'est tout. Ok. Donc, est-ce que vous croyez dans l'islam que c'est celui-là qui viendra pour juger les vivants et les morts? Même Mohamed sera jugé par Jésus. Jésus ne va pas descendre pour juger les morts et les vivants, mais le Coran dit que sa descente est un signe de la fin du monde. Et le prophète dit qu'il va descendre. Il va descendre juste pour juger ou pour montrer la vraie voie à suivre, en fait. Bon, il y a beaucoup de récits sur la descente de Jésus, mais grosso modo, Jésus, il va descendre pour adorer Allah, parce que pour être musulman, c'est pour adorer en islam, mais aussi pour briser la croix, interdire le porc, etc., etc. Mais bon, en ce qui concerne le jugement dernier, la rétribution, la résurrection, ouais, le Coran dit non que, ou l'islam conçoit que Jésus n'est pas habilité à faire cela. Ah, c'est le Coran qui a dit Jésus que n'est pas habilité à faire cela. Quand le Coran parle de Jésus, le Coran dit que Jésus va venir et sa venue est un signe de la fin du monde. Alors, dis-moi. Deuxièmement, dis-moi, Israël, ça te coupe. Dis-moi. Au jour de la résurrection. Mmh, dis-moi. Le Coran dit, Allah dit dans le Coran qu'il va demander à Jésus au jour de la résurrection. Il va dire, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit à ton peuple, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Voilà, c'est un peu le récit que le Coran fait, en fait. Ok, voilà. Dis-moi, Ismaël, est-ce que tu crois dans la Bible? Est-ce que tu crois que ce que la Bible dit, c'est la vérité? C'est difficile de me dire que je crois dans la Bible, mais je respecte la Bible, en fait. Donc, tu ne crois pas dans la Bible, c'est ça? Le livre qui fait la foi des gens de faux, mais en tout cas,
l'objet de ma foi, c'est le Coran. Déjà, ma foi est portée sur le Coran. Maintenant, dire que je ne crois pas en la Bible, c'est trop dit, en fait. Mais je pourrais juste dire que la Bible ne fait pas l'objet de ma foi. La Bible ne fait pas l'objet de ta foi, mais ce n'est pas parce que la Bible ne dit pas vrai. Je ne peux pas te dire que la Bible dit... Non, je ne peux pas te dire que la Bible est fausse. Donc, parce la Bible est vraie. Pour moi, ce n'est pas intellectuel. Et puis, c'est dire que le livre dit que la Bible est fausse, c'est quelque chose de très osé, en fait. Ok, donc voilà, en réalité, la Bible est vraie, n'est-ce pas? Tu dis quoi? Selon toi, la Bible est vraie. Je respecte la Bible. Bon, regarde par exemple. En fait, je vais être clair avec toi. Peut-être que tu ne comprends pas ma position. On va retourner l'ascension, en fait. Toi, tu crois en la Bible. Est-ce que je vous demande si vous croyez au Coran? Est-ce que vous allez me dire oui, vous croyez au Coran? Alors, pour que je puisse vous dire que je ne crois pas au Coran, il faut que j'avance les thèses et les faits qui me poussent à le dire. Parce que je ne peux pas dire que je ne crois pas dans quelque chose sans que je ne donne pas la raison pour laquelle que je ne crois pas. Oui, maintenant, si vous avancez les thèses et les faits qui, selon vous, prouvent que vous ne croyez pas, que le Coran n'est pas vrai, si moi je vous démontre à travers vos thèses, là, c'est-à-dire j'essaie de vous répondre, de vous réexpliquer, que voilà comment je dois comprendre, voilà ce qui a été dit, voilà. Et que c'est logique. Est-ce que vous allez être d'accord avec moi, mais vous allez rester toujours dans la position de réfutation? C'est à vous de me pousser à être d'accord avec vous, avec la façon que tu vas défendre le Coran. Parce que, je le dis, j'ai discuté avec un chrétien respectable, vraiment, que je respecte beaucoup, qui est très ouvert intellectuellement et puis qui est vraiment pacifique. Nos discussions, on n'essaie pas de prouver que oui, ta foi, tu vas rentrer en enfer, non. Quand il trouve une anomalie dans le Coran, je lui explique. Quand je l'explique, il me dit, ok, je pense que ton explication est bonne. Et quand je trouve une anomalie dans la Bible, je lui pose des questions, il m'explique. Et quand il m'explique, moi je dis, ok, en tout cas, ce que tu as dit quand même, c'est logique, il n'y a pas de problème avec ça. Donc j'aime vraiment les échanges comme ça, en fait. D'accord. Donc, vous êtes amis tout en respectant la foi de l'autre. Mais oui, moi je ne suis pas sur ce thèse-là. Ce que je voulais dire, c'est que si, par exemple, je te pose la question, est-ce que tu crois dans la Bible? Tu dis que la Bible n'est pas l'objet de ta foi. Oui, c'est ça. Ce que j'attendais juste après, c'était les faits qui te poussent à ne pas considérer la Bible comme l'objet de ta foi. Parce que regardez, tout à l'heure, on vient de discuter tout à l'heure, de ta bouche, tu répètes et tu le constates, tu le vérifies, tu l'entends bien que Jésus-Christ est l'Esprit, il est Dieu. Hein? Donc, toi-même, tu as reconnu cela. Même quand tu dis la Bible n'est pas l'objet de ta foi. Ok? Maintenant, si tu rejettes la Bible comme n'étant pas un livre qui peut constituer l'objet de ta foi, quels sont les arguments que tu avances? Déjà, en fait, je vais juste préciser quelque chose. Tu sais, l'honnêteté, moi, j'aime être honnête. Quand tu m'as... Je suis monté en te disant que je veux juste comprendre pourquoi est-ce que certains chrétiens disent que Dieu il est trinitaire et d'autres disent que Dieu il n'est pas trinitaire. Et là, vous avez démontré, vous avez fait une très bonne démonstration. Et je vous ai dit, ok, en tout cas, la démonstration que vous avez fait, elle est logique, elle est directe. En tout cas, c'est une bonne démonstration. Ça veut dire que je vous dis oui, ce que vous avez fait comme démonstration, elle est logique, elle est bien. Mais c'est pas comme si je disais que oui, pour moi, Jésus, il est Dieu, non. Parce que moi, je voulais juste comprendre vous, votre position, et comprendre la position des autres, et puis afin de voir. Mais là, j'ai compris la position des autres, et j'ai compris votre position, et je pense que vous, de la manière que vous avez démontré, c'est logique, c'est biblique, et puis c'est clair, quoi. Mais voilà, je vais te poser une question. Je comprends, je respecte ta position, c'est normal. Donc, pour toi, Jésus-Christ n'est pas Dieu. J'ai dit, tu ne reconnais pas mon Dieu en tant que Dieu. Ce qui veut dire clairement, en conclusion, que toi et moi, nous n'avons pas le même Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on peut dire ça. Okay. Est-ce que tu peux me dire quel est
l'homme, ou si vous pouvez dire prophète comme vous voulez, toutes les religions du monde parlent de lui. Peu importe qu'ils parlent de lui de leur façon, de leur, à leur manière de compréhension, à leur niveau de compréhension, puisqu'ils n'ont pas la révélation, donc c'est tout à fait normal, je respecte cela. Mais quel est ce prophète que toutes les religions parlent de lui? Est-ce Mohamed ou bien celui dont je te parle? C'est une bonne question. En fait, peut-être que vous ne savez pas, mais juste que l'islam est la seule religion qui parle de Jésus et en bien. Voilà, le judaïsme, par exemple, parle pratiquement pas de Jésus. Mais même si le judaïsme parle de Jésus, en tout cas, en ce qui concerne les rabbins et les écrits rabbiniques, ils parlent en mal de Jésus. Oui, sauf non, je ne suis pas en train de te dire, Ismaël, que les religions parlent bien de lui, non? Non, pas du tout. Non, tu m'as dit quel est cet homme où toutes les religions parlent de lui, que ce soit en bien ou mal, mais que ce soit en bien ou en mal, les religions, elles parlent de lui. Tous les grands sages. Les religions, il y en a deux. Non, il y en a plus. Et les judaïsmes qui parlent uniquement de Jésus. Non. Toutes les religions, que ce soit bouddhiste, shintoïste, toutes les religions parlent de Jésus. Vous me donnez un exemple de religion en dehors du judaïsme et du christianisme. Le judaïsme et le christianisme, c'est la racine même d'où vient le Messie, Jésus. Le judaïsme et l'islam. Je veux dire, le judaïsme et l'islam. Mais à part cela, toutes les autres religions, que ce soit hindouiste, que ce soit tous parlent, ils relatent une phrase. Soit les philosophes, ou soit ou bien la divinité, ou bien le soi-disant philosophe qu'ils utilisent comme Dieu, comme quoi que ce soit, ils parlent de lui, ils le reconnaissent, tout comme les musulmans le reconnaissent. Maintenant, un exemple juste pour appuyer votre thèse, en fait. Le guide spirituel qui est le Dalai Lama. Confucius. Allez regarder ce qu'il a dit de Jésus. Ou vous pouvez. Tu peux même chercher à. Je te laisse chercher cela. Tu peux même chercher à savoir que le bouddhisme, que le papa, les autres religions là. Ce qu'ils ont dit de Jésus. Et tu vas voir ce qu'ils ont dit de lui. Quelles sont les phrases? Ou peut-être prochaine fois, de toute façon, peut-être que si toutefois en TikTok on est amis, je t'enverrai ça. Donc, ce qu'ils ont dit de Jésus. Donc, Jésus est le seul et l'unique de qui toutes les religions parlent. Mais, est-ce que toutes les religions connaissent l'existence de Mohamed? Même le judaïsme ne parle pas de lui parce que le judaïsme ne le reconnaît pas. Bon, on est d'accord que le judaïsme ne parle pas de lui. Parler et reconnaître, c'est deux choses différentes. C'est la même chose. Est-ce qu'on est d'accord que le judaïsme ne parle pas de lui? Est-ce qu'on est d'accord que tu me poses la question? Est-ce qu'on est d'accord que le judaïsme ne parle pas du prophète Mohamed? Si, bien sûr, le judaïsme parle de lui. Le judaïsme parle de lui où? Dans quel texte de la Torah? Par exemple, quand tu vas prendre le livre de la Genèse, c'est ça, non? Le livre de la Genèse 17, verset 20. Donc, Genèse 17, verset 20, on parle de Mohamed dedans? Les chiffres ont dit non, que quand Dieu il parle de la nation, Genèse 17, avec Ismaël, l'islam est l'accomplissement. Genèse 17. Alors, pour faire de l'islam et l'accomplissement de cette promesse-là. Genèse 17, le verset 20, c'est ça? On parle de Mohamed là, c'est ça? Genèse 17, 20. En fait, je dis que les rabbins, je n'ai pas dit en fait, les rabbins, c'est-à-dire les juifs, les judaïsmes, interprètent ce verset-là comme l'accomplissement en islam, à travers le prophète Mohamed. Donc, en un sens, les judaïsmes n'interprètent pas cela comme l'accomplissement, parce que le texte parle d'Ismaël. Ok? Maintenant, si, même quand on parle d'Ismaël,
On ne parle pas de Mohamed, puisqu'en 1622, c'est à ce moment-là qu'on va, l'existence de Mohamed va arriver. OK? Donc, ce qu'il avait avant 1622, ça n'existait même pas. Mais attendez, est-ce que vous avez lu les livres juifs? Est-ce que vous avez C'est pour lu cela que je dis qu'il n'existait même les pas. écrits juifs? C'est pour cela que je dis qu'il n'existait même pas. Non, parce que moi j'ai lu en fait. Il y a un savant, un très grand savant juif qui est connu, qui s'appelle Rambam. Lui, il dit donc que lorsque Dieu parle de la Genèse 17 des Sévé, pas d'Ismaël, il dit dans l'histoire, l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite se retrouve en Mohammed. Dans l'islam, Donc, c'est l'islam qui est l'accomplissement de la prophétie dans Genèse 17, verset 20. cela ne peut pas faire référence à Mohamed. Pourquoi cela ne Ah peut pas bon, faire référence? Parce que mais en pourquoi? réalité, le Dieu que vous avez, ce n'est pas le Dieu que, entre guillemets, les Juifs, eux, ils ont. Vous êtes d'accord avec moi? Les Juifs, en tout cas, ils pensent que c'est le même Dieu, sauf que Donc, ils pensent, c'est c'est les une différents pensée. noms, en fait. C'est Je vais une déjà, pensée. ah non, on va aller étape par étape. On va aller Ok, étape par étape. ok, Déjà, ok. moi, je vais juste vous dire, si vous voulez que je puisse montrer encore d'autres preuves dans le judaïsme qui disent que l'accomplissement de Genèse 17-20 s'est fait en islam, Mohammed, ça, je peux le... Mais vous, il dit déjà que, par exemple, Rambam et aussi le rabbin Haj, Moshe, le rabbin Moshe, qui dit que oui, l'islam, Mohammed est l'accomplissement de Genèse 17-20. Jusque, en fait, eux, ils parlent de Mohammed. Donc, ils disent que oui, il y a des religieux qui parlent de Mohammed. Mais continuez, continuez, s'il vous plaît. Ce n'est pas vraiment un point sur lequel il faut se baser, vraiment. Ouais, mais bon, ouais, c'était juste pour te montrer que cela, ce n'est pas ce qui est écrit exactement. Et puis surtout pour souligner pour toi, avant 1622, ça n'existait même pas. Oui, mais tu peux ne pas être d'accord avec les Juifs, ça c'est ton droit. Mais quand même, les Juifs, ils ont dit. Alors, si tu Non, n'es pas mais d'accord avec ça, c'est ton droit. quand tu dis les Juifs, j'ai du mal à comprendre quel Juif. Tu sais pourquoi? C'est Tu avec sais le pourquoi? judaïsme, en fait, les Non, savants mais juifs. peut-être que tu parles d'un juif arabe ou bien un juif juif de souche. Non, Rambam n'est pas juif arabe. Il y a les, si vous voulez, je vais vous montrer le lien des livres. Je vais vous montrer les livres qui en parlent et les vidéos même qui en parlent. Ils disent que carrément, c'est pas tout le monde qui reconnaît. Voilà, c'est pas tout le monde qui reconnaît. Comme c'est pas tout le monde qui reconnaît que Jésus, il est truc. Il y a les juifs qui disent que oui, Jésus, c'était quelqu'un de bien. Il y a les juifs, par contre, qui disent, et ils sont nombreux, qui disent que Jésus, c'est juste le fils d'une prostituée. Vraiment, je rejette cette parole-là. Donc, ça Mais veut c'est de dire... cette même manière qu'il y a les juifs qui disent que Jésus et Mohammed est l'accomplissement de la promesse faite à Ismaël dans Genèse 17-20. Mais ce n'est pas tous qui sont d'accord, mais quand même, c'est mentionné. Ok. Donc, est-ce que les dieux que les Juifs adorent ou que les apôtres, je ne sais pas si tu crois aux apôtres de Jésus-Christ, si tu crois dans leurs paroles ou laissez-moi dire, les dieux que David, Abraham, il servait. Parlons du Dieu des Juifs. Le Dieu des Juifs, les Juifs, par exemple, ils appellent non seulement le Dieu Yahvé, mais de manière ordinaire, ils appellent Hachem. Ok, Et les Hachem, ok. Juifs. Est-ce que ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui est ton Dieu en tant que musulman? Il y a une grande nuance, en fait. Il y a une grande nuance dans votre question. Non, Par exemple, il n'y je a vais pas dire, de en fait, je vais nuance, vous montrer parce que une petite nuance, en fait. tu Les sais, Juifs croient un Dieu unique. est-ce que pour toi, il n'y a pas Les un Juifs croient seul? un Dieu unique. Moi aussi, je crois un Dieu unique. Ouais, mais est-ce que c'est le même Dieu, le Yahvé des Juifs là? Est-ce que c'est celui-là qui est ton Dieu? Je pense que c'est le même Dieu, mais sauf avec des noms différents. C'est le même Dieu? Avec des noms différents. Vous pensez, enfin, tu penses ou que tu crois? Je pense et je Donc, crois. tu penses et tu crois. Oui. Tu te passes. Parce que, par exemple, tu as dit par exemple que tu as donné un bon argumentaire en parlant que
il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas trois, il y a un seul Dieu, dans la notion de l'unicité de Dieu. Mm-hmm. Par exemple, ça a été dit dans Deutéronome 6, verset 4, et dans Marc 12, verset 29, mm-hmm. et dans Jean 17, verset 3. Exact. Les Juifs aussi, ils pensent ça, ils pensent qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Par exemple, dans Ésaïe 44, verset 6, Ésaïe 45, verset 7, et puis, etc. Et raison pour laquelle, dans Matthieu 10, 30 et 36, quand Jésus-Christ disait que lui et le Père, ils étaient un, ou qu'il disait qu'il était fils de Dieu, les Juifs voulaient le lapider. Et quand oui, ils demandaient aux Juifs, pourquoi? On peut en discuter. Par exemple, toutes les fois où Jésus, on a l'impression que Jésus s'identifie à Dieu, Jésus, il apporte une explication. Mais juste, on va y venir, en fait. Je veux juste te faire comprendre que les Juifs, les chrétiens, toi, tu as démontré que Dieu, il est un. Il est unique. Sauf que tu as identifié ce Dieu-là à Jésus. Je ne l'ai pas identifié à Jésus. Ils disent que Dieu, il est un. Si tu crois qu'il est un et que tu vois tout ce que j'ai prouvé comme texte biblique, tu vois que c'est exactement ce qui est écrit. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai identifié. Oui, ok. Ce n'est pas toi qui l'ai dit. Ah, parce que je n'ai pas quand tu dis que moi, je l'ai identifié. Ok, selon l'interprétation que tu fais de cette Bible-là, je suis ok avec. Maintenant, les Juifs, par exemple, les Juifs, eux, ils disent que Dieu, il est un. Sauf qu'ils vont te démontrer, ils ont fait des démonstrations, que ce n'est pas Jésus en question, mais c'est Dieu, c'est Hachem, c'est Dieu. Donc, ils ont l'unicité de Dieu. Les musulmans aussi vont te dire que Dieu il est un, ils vont te faire une démonstration que Dieu il est un. Non, mais tu sais, Je pense qu'on a le même Dieu, parce que c'est ce Dieu unique là maintenant. Non, il y a un. Ça va dépendre maintenant de certains jours. Il y a deux problèmes, Ismaël. Rapprochez-vous de mon micro, s'il vous plaît. D'accord, il y a deux problèmes. Si tu dis que tu as le même Dieu que les Juifs, il y a un problème. Parce que si vous avez le même Dieu, automatiquement, les Juifs et les Arabes ne peuvent pas être comme ça, comme ils sont. Ça, c'est un et okay. deux. Ok, alors regarde par exemple. Faut finir par les noms. Ok, exactement. Et deux, tu dis que les Juifs vont m'expliquer d'une autre manière, et me parler de Jésus d'une autre manière. Oui, je suis d'accord parce que je suis au courant. On m'a parlé, on nous a révélé la connaissance que les Juifs ont sur Jésus, parce que leur Dieu les a tout simplement aveuglés et leur jeté lui-même dans la désobéissance et ne pas pouvoir reconnaître le salut. Et Dieu l'a fait pas exprès afin de pouvoir sauver toutes les nations. Okay, donc, peut-être les Juifs, eux, ils ne connaissent pas ce que je suis en train de te dire là. Parce que cela, comme Matthieu 11, 25 l'avait dit, hein, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, selon Deutéronome. Les sages et les intelligents, c'était les Juifs qui avaient la Torah, qui étudient la Torah pour avoir de l'intelligence de sage, et que les nations auraient dit de ce peuple, vous êtes un peuple sage et intelligent parce que vous avez la loi. Donc c'est eux, les sages, à qui Dieu a caché les choses. Mais Dieu a révélé ces choses aux enfants. Donc les enfants qui sont les disciples, les apôtres et les nations qui ont cru en Jésus. Maintenant, ils peuvent le dire parce que si les Juifs le disent, interprètent ou parlent de Jésus d'une manière ou d'une autre, je comprendrai et j'aurai compassion parce que je sais ce qui leur est arrivé. C'est prophétique. Et eux, s'ils ne cachent pas les choses, ils sauront que c'est prophétique. Le tas qu'ils ont, c'est regarder en Israël. Quand vous regardez en Israël des parades homosexuelles, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, c'est un rêve? Ce n'est pas possible. Dieu, en Israël, soi-disant, la terre sainte, ou la terre, comment dire, on disait Israël, Sion, tout ça, parade homosexuelle. Mais c'est certainement impensable. Oui, c'est normal parce qu'ils sont fermés dans la désobéissance. C'est tout à fait normal. Donc, je comprendrai cela, mais eux, ils ne savent pas ce qui leur est en train d'arriver parce que tout simplement, prophétiquement, leurs yeux sont fermés. Et Dieu sait pourquoi il a fait ça à eux. Mais si... Je vais vous poser une question. Oui, vas-y. Je suis en train de réfléchir comment bien la poser. Considérons que les Juifs, mm-hmm. on les dieux à part. Les musulmans, on les dieux à part. Et les chrétiens,
on est Dieu à part. Je vais vous poser une question. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu qui est à l'origine de tout, qui est à l'origine du monde, non? Oui, un seul Dieu qui crée le monde, la terre et le monde. Et un seul Dieu qui a créé le monde. Et parce que selon, ce n'est pas et, parce que les musulmans, attends, on est Dieu, et les juifs, on est Dieu, qu'il y a deux dieux qui créent le monde. Attends. Et selon, selon la Bible, le livre qui constitue ma foi, c'est Jésus-Christ, ce Dieu-là, qui est à l'origine de Dieu. Il n'y a pas de problème, on va y revenir, en fait. Je veux un truc, en fait. On va revenir peut-être sur l'échange, savoir si Jésus l'est. Mais pourquoi moi je pense que Jésus n'est pas Dieu? On va revenir, mais juste que je vais préciser quelque chose avec toi. Mm-hmm. Je dis, c'est pas parce que les Juifs ont les dieux et que les musulmans ont les dieux qu'il y a deux dieux qui ont créé le monde. Non. Raison pour laquelle, quand vous allez prendre le Coran, par exemple, les polythéistes du Coran, Allah a dit, par exemple, que si vous leur demandez qui a créé le monde, ils vont dire Dieu. C'est-à-dire que bien vrai qu'il y a des divergences, bien vrai qu'il y a des gens qui prennent des idoles pour Dieu, il y a des gens qui basent les fois sur certaines choses, tout ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. On peut dire qu'il y a plusieurs faux dieux. Voilà pour en dire faux dieux. Mais à la base, il y a un seul dieu. Et vous avez fait cette démonstration-là. Sauf que, à la différence, vous, ce un seul dieu-là, c'est Jésus, n'est-ce pas? Oui, effectivement, oui, c'est ça. Voilà. Donc si on est d'accord dessus, du fait que ce n'est pas parce que les Juifs ont les dieux, ce n'est pas parce que les Bouddhistes ont les dieux, qu'il y a beaucoup de gens qui ont un seul dieu. Et mais ça dépend Ismaël. De comment les gens conçoivent ces dieux-là. C'est bon? Ismaël, on ne va pas être d'accord que toi et moi, nous avons le même Dieu. Non, nous avons un Dieu différent. Oui, mais parce que celui... on va être d'accord qu'il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu, et celui que je reconnais pour Dieu, ce n'est pas celui-là que vous reconnaissez pour Dieu. Parce que vous avez un autre Dieu, vous avez un autre Dieu avec un autre nom. Or, oui. Bibliquement, à 4:12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Et on n'a pas prononcé cette phrase pour Mohamed. Parce qu'on n'a pas parlé du nom Mohamed comme le seul nom. Bon, considérons que moi, ma foi, elle est fausse. Considérons que oui, moi j'adore un faux Dieu. Mm-hmm. Mais ce n'est pas parce que j'adore un faux Dieu qu'il y a beaucoup de dieux. Si toi ta foi est vraie et que moi ma foi est fausse, donc du coup il y a un seul Dieu. C'est ça, moi je veux qu'on soit d'accord pour qu'on puisse avancer en fait. Ah oui, bien sûr. Gens... Mais c'est ce que je te dis au début déjà, le fil du sujet, c'est que nous avons vu ensemble qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, le seul Dieu qui existe, est-ce que c'est... L'identité de ce Dieu-là, on va chercher à savoir maintenant. Exactement. Est-ce que c'est Jésus? Voilà, est-ce que c'est... Est-ce que c'est comme si c'est ça, non? Voilà, exact. Maintenant, tu avais parlé des Juifs. Les Juifs ont lu, par exemple, ce sont le même texte, Ésaïe 43, Malachie 3, le verset 1er, le messager qui devait venir pour préparer le chemin de l'Éternel, autrement dit de Yahweh dans leur langue. Ok? Et ce messager est venu. Comme dit Jésus, ils n'ont pas reconnu l'élite qui devait venir. Ils n'ont pas reconnu l'élite. Donc, ce qui fait que ce messager devait venir préparer le chemin de l'Éternel. Et il est venu. Il a préparé le chemin et l'Éternel était venu vraiment. Mais sauf qu'ils ne l'ont pas reconnu parce que le texte a dit dans Jean, comme le verset 11-12, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, comme Matthieu 11, 25 dit, il a caché les choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants. Donc maintenant, le Dieu que nous, les disciples de Jésus-Christ, nous adorons, c'est le Dieu que les Juifs adorent, mais qui est venu au milieu d'eux, ils n'ont pas reconnu. Parce que tout simplement, ce Dieu-là ne voulait pas que la plupart des Juifs le reconnaissent. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il est venu. Ce n'est pas la première fois qu'il a pris une forme d'homme. Parce qu'il l'a fait avec Jacob. Il l'a fait avec Abraham. Il se présentait devant Abraham. Il s'est présenté devant les parents de Samson. OK? Et tout cela, peut-être que dans le Coran, tu as reconnu ça aussi. Il a pris des formes. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est dans votre Coran, mais... En tout cas, c'est dans la Bible, c'est comme ça. Donc, il a pris une forme pour
venir vers l'homme. À chaque fois qu'il veut venir vers l'homme, il a pris une forme, puisque c'est un esprit, il ne peut pas venir en esprit, sinon l'homme ne le verra pas. Donc c'est la même chose, quand il est venu en tant que parole faite chair, il a pris une forme, on appelle cette forme la parole, elle s'appelle le Fils, c'est Jésus. Ok? Maintenant, pour ceux qui auraient cru, ou bien qui a leur cru que Jésus était un fils à papa qui a un père, on leur a déjà provenir. Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc, c'est Dieu qui est là. Comme dit dans Luc 2, 11, c'est qu'aujourd'hui, il nous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Oh, il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur de l'Ancien. De l'Ancien, comme on dit dans les religions chrétiennes, de l'Ancien Testament. Ce qui fait que nous avons le même Dieu que eux, sauf qu'ils ne le reconnaissent pas quand il est venu en tant que parole faite chair. Et nous savons pourquoi ils ne le reconnaissent. Ils n'ont pas reconnu Jésus, c'est parce que c'était prophétique, c'est parce que Dieu ne voulait pas, parce que Dieu voulait faire grâce à tout le monde. Maintenant, dans ton cas, c'est complètement différent, Samuel et Ismaël. C'est complètement différent. Pourquoi? Parce que ton Dieu, je ne peux pas dire que ton Dieu est le même Dieu que les Juifs. Ce qui veut dire que ce n'est pas le même Dieu que notre Dieu. Parce que ton Dieu, selon les Juifs, ce n'est pas le même nom. Ils n'adorent pas ton Dieu comme étant leur Dieu. Toi, tu n'adores pas leur Dieu comme étant ton Dieu, même quand tu dis que c'est le même Dieu. Non. On va faire quelque chose. On va avancer, je t'ai compris. Ok. On va commencer déjà. Donc, du coup, pour que un Dieu soit tel, il faut qu'il ait un nom, c'est ça? Tout à fait. Parce qu'en Dieu, on ne peut pas reconnaître Dieu sans son nom. Parce qu'il révèle son nom pour qu'on puisse l'appeler, l'adorer automatiquement. Ok. En fait, pourquoi moi je conçois que, tu sais, Dieu, il a des attributs. Mm-hmm. La Mais la différence, c'est que Dieu ne peut pas, voilà ce que je soutiens, Dieu ne peut pas avoir un nom propre à lui. Parce que, tu vas m'écouter déjà, parce que la fonction d'avoir un nom, c'est ce qui permet de t'identifier des autres. Avoir un nom, c'est avoir une étiquette qui va te permettre de montrer que tu n'es pas à... Non, tu n'es... C'est-à-dire que tu es B, mais tu n'es pas A. Ou même s'il y a plusieurs A, tu es A prime. Donc, le nom, c'est ce qui nous permet de nous différencier des autres. Dieu, il n'a pas besoin d'avoir un nom, et je vais le prouver déjà. Dieu, il n'a pas besoin d'avoir un nom. Alors, parce que alors Dieu, Ismaël, ça, sans te couper, tu vas être dans la conviction à toi-même. Pourquoi? Parce que si je demande comment ton Dieu il s'appelle, le Dieu que tu adores, tu vas me dire son nom. Et si je demande à n'importe quel musulman, ton Dieu il s'appelle comment, ils vont me donner un nom. Est-ce que tu as compris ce que je dis là? Tu me laisses, mais je vois ce que tu dis. J'ai déjà été confronté à ce que tu dis. Si tu me laisses, ok, termine. Ok. Ok, donc je te disais que Dieu ne peut pas avoir un nom. Par contre, c'est une éthique, je ne vais pas revenir sur l'explication. Parce que, pourquoi Dieu ne peut pas avoir un nom? Parce que Dieu n'a pas besoin de se différencier des autres. Puisque Dieu, il n'a pas d'égal. Dieu, il n'a pas de ressemblance. Et Dieu, en fait, Dieu, il est à l'origine du monde. La preuve en est quoi? Quand tu vas prendre, regarde, je vais prendre un verset biblique. Exode. Attends. Un verset biblique? Donc, tu crois dans ce que la Bible dit alors? Mais il faut que c'est pour un souci d'argumentation. Parce que si Ismaël, tu m'as dit que tu ne crois pas dans ce que la Bible dit. Maintenant, si tu veux argumenter... Pourquoi est-ce que la Bible dit? D'accord. Écoute mon idée. Comme étant la foi des jours. Écoute, quand la Bible dit que Dieu il est un, moi je crois à ça. Oui, tu crois, Dieu est un. Mais sauf que maintenant, pour argumenter quelque chose que tu dis, si tu prends la Bible, c'est que tu crois dans ce que la Bible dit. Parce que la Bible te sert comme argument pour argumenter
tes mots, tes dits. On a une confusion. Soit tu veux que je te montre. Il y a deux choses en fait. Soit je te montre pourquoi je considère que la Bible ne peut pas en entièrement. Pourquoi la Bible ne fait pas l'objet de ma foi? Parce que je ne considère pas la Bible entièrement comme la parole de Dieu. Ou soit, pourquoi je pense que Jésus n'est pas Dieu pour moi? C'est deux choses en fait. Soit je te prouve un, soit je te prouve l'autre. Mmh. Ou on n'a pas une discussion sur l'un, ou on a une discussion sur l'autre. Écoute. Ce qu'on était en train de faire, c'était plutôt d'identifier le Dieu que nous servons. Est-ce que nous avons le même Dieu? J'ai te montré que tu n'as pas le même Dieu que les Juifs, même quand tu as dit que c'était le même Dieu, ce n'est pas le même. Et je te montre que nous, les disciples, nous avons le même Dieu que les Juifs, sauf que Dieu a décidé que nous les devançons dans la reconnaissance de la venue du Messie, que eux, ils n'ont pas eu la grâce de reconnaître. Pourquoi? Parce que c'était prophétique, Matthieu 11, 25. Donc, Dieu les a caché cela. Parce que tout simplement, dans Romains 11, il voulait faire miséricorde avec tous. Il a fermé Israël dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tout le monde. Maintenant, toi, tu vas me parler de ton Dieu et me prouve que c'est le même Dieu que les Juifs et le même Dieu que notre Dieu, à nous les disciples. D'accord? Mais maintenant, si tu veux argumenter cela comme étant le même Dieu, tu ne peux pas prendre la Bible. Parce que tu ne crois pas dans ce que la Bible dit. Si tu prends la Bible comme argument, automatiquement, tu dois reconnaître ce que je viens de dire tout à l'heure et mon exposé de tout à l'heure, que Jésus-Christ est réellement Dieu et non seulement Dieu, c'est le Père. Mais si tu ne reconnais pas tout ça, tu vas prendre la Bible comme étant argument. Il y a quelque chose qui ne va pas, Ismaël. Tu as compris ce que je dis? Je comprends en fait là où c'est. Ok, problème. super si tu as compris. Je pense que tu as un malaise avec le fait que je te dise que je ne crois pas en la Bible. Bon, en fait. Non, je n'ai pas un malaise parce que je respecte ta position. Quand je dis malaise, je ne parle pas de malaise au sens propre du terme. Mais regarde, on va voir ce que je t'ai dit. Comment je t'ai dit, moi, Ismaël, la Bible ne fait pas l'objet de ma foi. Ça veut dire quoi? Première, ça veut dire je ne suis pas chrétien. Parce que être chrétien, quand tu es chrétien, tu vas l'objet de ta foi ou le livre saint, qui est ton livre saint de référence sera la Bible. Donc, du fait que je ne suis pas chrétien, mon livre de référence n'est pas la Bible. Ça fait déjà un. Donc, on se situe au deuxième niveau. Maintenant, Ismaël, est-ce que tu crois en la Bible ou pas? Crois, ça va dépendre. Soit tu crois dans la mesure où tu bases ta foi sur la Bible. Non, je ne base pas ma foi sur la Bible. Si je crois, ça veut dire baser sa foi sur quelque chose. Parce que je ne crois pas en la Bible. Maintenant, et c'est très important de comprendre cela. Si je crois en la Bible, ça veut dire accepter les écritures, la Bible, ça veut dire respecter ces écritures-là, sans pour autant, parce qu'on n'a pas besoin de faire l'objet de la, on n'a pas besoin de faire de quelque chose l'objet de notre foi pour pouvoir croire. On peut croire en quelque chose, on peut accepter quelque chose comme vérité, sans pour autant faire l'objet de notre foi. Non. Alors, je respecte ta position. Ce que tu as dit, c'est ta position. Mais nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, il faut que ça soit l'objet de notre foi. Parce que les anciens faisaient de ça l'objet de leur foi. Regardez, enfin, je sais que c'est dans la Bible que je vais lire, c'est différent que, mais, et dans la Bible, hein, l'objet de la foi des anciens, c'était ça. Maintenant, si eux, ils avaient fait de cela l'objet de leur foi, automatiquement, si toi, c'est pas l'objet de ta foi, c'est que le Dieu que parle la Bible, tu ne le reconnais pas comme ton Dieu. Donc, ce qui fait que le Dieu des Juifs n'est pas ton Dieu. Toi, tu veux me prouver, attends, si toi, tu veux me prouver que moi, mon Dieu est un faux Dieu, comment tu vas t'y prendre? Dis-moi. Mais je ne suis pas en train de te prouver que ton Dieu est un faux Dieu. C'est à toi de voir si c'est un vrai ou si c'est un faux. Moi, je suis en train de défendre mon Dieu à moi. Toi, tu défends le tien. Parce que tu viens de me dire... Rappelle, mais tu m'as posé une question, non? Non, moi, je ne cherche...
Exactement. Donc, moi, de mon côté, Ismaël, je ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu te rappelles que tu m'as posé cette question. Quand tu as fait ma vérité, tu m'as dit, si tu es musulman, non, il dit oui. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne crois pas que Jésus, il est Dieu? Tu m'as posé cette question. Je t'avais posé la question, si tu crois dans ce que dit la Bible. Je t'avais pas demandé. Parce que si tu m'as répondu, pourquoi tu ne crois pas que Jésus est Dieu? Comme tu m'as répondu que la Bible n'est pas l'objet de ta foi, donc tu ne crois pas dans la Bible. Donc c'est-à-dire, c'est évident et c'est normal que tu ne peux pas reconnaître Jésus comme étant Dieu, parce que la Bible n'est pas l'objet de ta foi. La Bible n'est pas le livre qui te guide comme étant écriture sur des papier. Ok? Mais non, moi, tu dois être curieux sur quelque chose. Tu dois te dire, mais Ismaël, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, est-ce que tu as lu la Bible? Oui, mais peut-être qu'il y a des passages dans la Bible, putain, qui t'ont fait dire, ou qui t'ont fait, peut-être qu'il y a des passages dans la Bible que tu as lu et qui te fait croire que Jésus n'est pas Dieu. Bon, montre-moi ces passages-là, peut-être que je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Parce que ce qui est très important, avant d'avoir la foi, il faut comprendre. Dans Deutéronome 6,4, Dieu dit, il est dit, mon peuple se perd par manque de connaissances. Pour pouvoir avoir la foi, il faut déjà connaître. On ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. Écoutez. Tu comprends donc? Écoutez. Comment je puisse croire que Jésus, il est Dieu? Il faut que je lise la Bible. C'est en lisant la Bible que je vais être convaincu et que en cela, maintenant, je vais y placer ma foi. Mais moi, j'ai lu la Bible. Et j'ai vu des passages, j'ai vu des endroits qui me font croire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Et c'est comme ça, en disant que je peux avancer. Ok, maintenant, écoute-moi. Tu dis que je devais te prouver que peut-être que tu as vu des passages dans la Bible que Jésus n'était pas Dieu. Et que ces passages te poussent à croire qu'il n'est pas Dieu. Donc, là, tu viens de confirmer que tu as lu la Bible, même quand tu ne crois pas et ce n'est pas le livre qui constitue l'objet de ta foi. Je respecte ça. Maintenant, de mon côté, quand j'ai commencé avec toi, Ismaël, ce que j'ai fait, c'est que non seulement je te prouve qu'il y a un seul Dieu en quelques phrases, en quelques mots, mais je te prouve que le seul Dieu qui existe, il n'est autre que Jésus-Christ. Et tu as vu, tu étais d'accord, tu as reconnu cela. Maintenant, si tu me dis que je devrais te poser la question, pourquoi tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu? Il ne faut pas faire ça. C'est à une seule condition. L'objet de ta démonstration, c'est de me prouver que Dieu n'est pas trinitaire. Je t'ai posé la question, il dit, ah, il y a des... Ben oui! Eh bien, sauf que moi, par l'intelligence, je fais un travail. C'est pas comme si tu étais là à me démontrer que Jésus est Dieu. Tu étais là à me démontrer que Dieu n'est pas trinitaire. C'est comme si tu étais en train d'apporter une réponse à ceux qui pensent qu'il est trinitaire. Ismaël, je sais que je parle pour toi et je parle pour toi qui es musulman, je parle pour les trinitaires aussi, les trinitéistes. Donc, je fais un exposé, je réponds à toi, aux trinitaires, toi qui es musulman et aux trinitaires et aux trinitéistes. Comment tu peux me répondre si tu n'as aucune idée de ma thèse, si tu n'as aucune idée de ma position? Tu ne peux pas me répondre alors que tu ne sais même pas ma préoccupation. Je t'ai seulement donné la préoccupation de ceux qui disent qu'il est trois, mais ce n'est pas ma préoccupation personnellement, je voulais juste comprendre. Maintenant, pour que tu puisses me répondre à moi et me démontrer, il faudra que tu écoutes. Ah, mais quelle hypothèse je donne qui me fait croire que Jésus n'est pas Dieu, sans cela que tu me réponds à moi? Ismaël, si quelque chose n'est pas ta préoccupation première, pourquoi tu t'es intéressé à savoir, à comprendre cette chose-là? Parce qu'il y a plusieurs débats. Moi, il y a plusieurs débats. Il y a les chrétiens qui démontrent A plus B dans la Bible que Jésus, Dieu, il est trinitaire. Il y a d'autres qui le disent. Moi, je voulais voir ta démonstration puisque Tania m'a parlé de toi. Donc, je me suis dit, ah, oh, tiens, je ne sais plus que je peux lui poser la question. Il va vraiment, parce que je n'arrivais pas à où est-ce qu'il faut se situer en ces deux positions. Maintenant, quand tu as donné une démonstration logique, j'ai dit, oui, en tout cas, ta démonstration est logique parce qu'elle est bibliquement située. Et selon ta démonstration, oui, Dieu, il est un. Et j'accepte cela. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu ne veux pas me dire. Non, mais
idées ou de mes hypothèses qui me font croire que non, il n'est pas Dieu. C'est comme ça. Ismaël, écoute. En tant qu'enseignant de la Bible, tu es musulman. On ne confesse pas la même foi. On n'a pas le même Dieu. Donc, automatiquement, si tu me questionnes sur quelque chose, peu importe, tu m'avais posé la question par rapport avec une autre religion, je répondrai, y compris pour toi et pour les autres. Cela veut dire, tu vois là, tu viens de me poser la question, tu me dis, pourquoi je ne t'avais pas demandé, pourquoi tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que tu avais lu des versets bibliques qui prouvaient qu'il n'était pas Dieu? Je t'ai répondu en retour, Ismaël, j'avais anticipé tout cela dans mon exposé. Il y avait trois points que tu devais auxquels tu devrais prêter attention. Un, c'est que j'avais prouvé qu'il y avait un seul Dieu. Deux, et que ce Dieu-là était Jésus-Christ lui-même. Toi, et qui il n'y a pas un autre Dieu que lui. J'ai répondu à toi. Mais quand tu me poses la question que ouais peut-être que je crois pas, je dis qu'il n'est pas Dieu parce que j'ai lu des versets bibliques qui disent qu'il n'est pas Dieu. Ah ben j'étais déjà répondu avant, j'ai anticipé tout. Maintenant ce que nous sommes en train de voir, c'est d'identifier ton Dieu et mon Dieu. Nous arrivons maintenant à identifier mon Dieu et le Dieu des Juifs, parce qu'on devait identifier ton Dieu, le Dieu des Juifs et le Dieu des disciples. Donc, j'ai identifié le Dieu des Juifs et je te montrerai que les disciples ont le même Dieu que les Juifs, sauf que les disciples dévancent les Juifs de manière prophétique parce que Dieu avait caché la reconnaissance du Messie aux Juifs, la plupart d'entre eux, à l'exception des disciples. Donc, ce qui fait que ils ne savent pas que nous, les disciples, nous avons le même Dieu que, bah, tout simplement parce que Dieu ne voulait pas qu'ils le sachent. Maintenant, je te redonner la parole pour prouver que ton Dieu, comme tu m'avais dit, c'est le même Dieu que les Juifs, que ton Dieu est, oui ou non, le même Dieu que le Dieu des Juifs, c'est-à-dire le même Dieu que nous. Donc, c'est ce que tu devais prouver. Et nous avons même parlé, je te montre que Mohamed, avant 1622, il n'existait pas, l'islam n'existait pas avant cette époque-là. Avant l'existence la naissance de Mohamed, l'islam musulman, ça n'existait pas. Et nous avons vu que... Attendez, je vais vous remercier. Excusez-moi. Ok, pas de problème. Et comme je vais continuer, bien-aimé, comme je suis en train de montrer à Ismaël, il m'a donné Genèse 17, 20 pour prouver que quand Dieu dit « Je bénirai », comme Dieu avait donné une bénédiction à Ismaël, il disait que le texte parlait de Mohamed. Parce qu'il dit que le rabbin Rambam avait attribué ce texte à Mohamed. Mais sauf que, avant la naissance de Mohamed, le musulman ou bien la religion musulmane n'existait pas. Donc, il va falloir qu'il prouve qu'il existait. Est-ce que c'est au moment de la séparation d'Aga et d'Abraham que cette religion existait? Or, puisque c'est 1622, quand Mohamed va faire son apparition, c'est à ce moment-là qu'on va créer la religion musulmane. Maintenant, il a dit que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des musulmans, bien qu'il sait, c'est pas vrai. Il a dit que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des musulmans. J'ai dit non. Le Dieu des Juifs ne peut être le Dieu des musulmans. C'est impossible parce que vous n'avez pas le même texte. Tout est varié. En plus, vous êtes en train de vous battre entre vous. Or, Ismaël, c'est l'ennemi de Jacob, prophétiquement dans la Bible. Donc, comment ils peuvent avoir le même Dieu? Donc, ils sont le même Dieu. C'est soit que l'un d'eux est serviteur de Dieu, l'autre est l'ennemi de Dieu. Parce qu'il y a deux types de serviteurs. Un serviteur de colère, un serviteur de gloire. Maintenant, c'est de prouver et de savoir lequel est serviteur de gloire. Ismaël ou Isaac? Lequel est le serviteur de Dieu? Ismaël ou Isaac? Maintenant, il ne peut pas dire que Dieu, ou même dans la Torah, on avait parlé de Mohamed. Pas du tout.
ou de musulmans, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Donc, automatiquement, quand il argumente, il veut prendre la Bible comme élément de preuve pour soutenir ses arguments. Mais il ne peut pas prendre la Bible puisque la Bible n'est pas l'objet de sa foi. Comment il va prendre la Bible comme exemple pour argumenter ou bien pour soutenir ses thèses? Non, ce n'est pas possible. Il va prendre le Coran pour le dire. Mais comme il ne peut pas prendre le Coran, donc, ce qui fait que il ne peut pas argumenter ce qu'il dit autrement, c'est pour ça que je lui ai fait confesser et accepter que Jésus-Christ était le seul et l'unique. Il n'avait pas compris mon exposé. J'ai fait mon exposé de manière, un, à prouver que il y a un seul Dieu, unique, et que ce seul Dieu, bibliquement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas un autre. Et il a reconnu, même quand il dit que la Bible n'est pas le livre de sa conviction, de sa foi, mais il a reconnu bibliquement que Jésus-Christ, c'est lui. Maintenant, si bibliquement il veut me prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors là, ça, ce serait très impossible pour lui, parce que même un protestant traditionnel, même les adeptes de la Trinité, les trithéistes ne peuvent pas venir devant moi me prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou que Jésus-Christ n'est pas le Père. Parce que pour me dire que Jésus-Christ n'est pas le Père, il va falloir me prouver bibliquement qu'il n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, je serai d'accord qu'il n'est pas le Père. Mais si bibliquement il est Dieu, et dès que vous me dites qu'il est Dieu, c'est que vous déclarez automatiquement qu'il est le Père. Parce que 1 Corinthiens 8, 6 dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Éphésiens 4, 6 dit, il y a un seul Dieu, le Père. Mais Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas le Père. Vous lisez quelle Bible? S'il n'est pas le Père, il est un faux Dieu parce qu'il y a un seul vrai Dieu. C'est un faux. Donc il n'a pas créé la terre. Il n'a pas étendu les cieux. Donc, il va falloir me prouver ça bibliquement. Ce n'est pas lui qui a étendu les cieux, qui n'a pas créé les choses. Vous ne pouvez pas prouver ça. Donc finalement, il n'y a pas de discussion. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, soyez bénis tout le monde. Soyez bénis. Salutations bien-aimés, frères et sœurs. Non, mais Mohamed n'est pas mentionné dans la Torah. Mohamed n'existe pas dans la Torah ou dans les livres des Juifs. Ça n'existe même pas. Pourtant, dans les livres des musulmans, Jésus-Christ existe. C'est-à-dire, les religions reconnaissent Jésus-Christ, ou autrement dit, selon notre livre sacré. Et selon notre livre sacré, qui parle de notre Dieu Jésus-Christ, selon les livres soi-disant sacrés des autres religions, ils ont reconnu l'existence de Jésus-Christ. Peu importe qui le reconnaît comme un prophète, mais l'essentiel c'est qu'ils ont reconnu l'existence de Jésus-Christ. Sauf que nous, dans notre livre sacré, on ne reconnaît pas leur existence. Est-ce que vous avez compris ce que je dis là? Donc, on ne reconnaît pas leur existence dans notre livre, pourtant eux, ils reconnaissent l'existence de notre Dieu. Maintenant, c'est à eux de déterminer comme ils veulent, et s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu, c'est leur problème, c'est pas, moi je leur pardonne parce qu'ils n'ont pas la révélation, c'est tout à fait normal et évident. Ok? Nous dévançons les Juifs parce que nous avons reçu la révélation et le Dieu qui est notre Dieu, qui est aussi le Dieu des Juifs, que les Juifs ne reconnaissent pas, il a dit ce qui s'est passé aux Juifs. C'est que lui-même, Dieu a aveugle les intelligents, les a fermés dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Donc, les Juifs ne connaissent pas ça, mais nous avons le privilège, la grâce de Dieu que nous ne méritons jamais et nous ne devons pas nous élever, nous monter sur les Juifs parce que Dieu nous a fait cette grâce. Au contraire, nous devons prier pour eux et avoir de la compassion envers eux. Parce que s'ils n'étaient pas tombés dans la désobéissance aujourd'hui, vous et moi, nous ne serions pas en paix dans l'olivier franc, puisque nous avons été l'olivier sauvage. Nous avons été hantés par la grâce de Dieu,
Ce qui fait de nous maintenant, nous faisons partie de cette famille. Que la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas parce que tout simplement, cela ne leur a pas été donné. Mais pour ceux que cela leur a été donné, ils ont reconnu que Dieu nous a fait grâce et je vous en donne la preuve maintenant avant de terminer. Dans Acte 10, le verset 30 a continué. Corneille, en tant que païen, et d'ailleurs le premier païen qui va accepter le message des apôtres. Ok? Accepte le message des apôtres. Corneille dit, le verset 30, il y a 4 jours, ça c'est Corneille qui témoigne à Pierre pendant que Pierre est arrivé chez lui. À cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, l'heure de l'église, l'heure de la prière, l'heure de la réunion, l'heure où les disciples réunissaient chaque jour dans le temple de la chambre haute. Et voici un homme vertu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Verset 32, envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courailleur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, ça c'est Corneille qui parle à Pierre, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Ok, maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur qui est Dieu t'a ordonné de nous dire. Alors le verset 34, alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute chose celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée et à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a roué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il parût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À qui? À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ce que Ismaël n'a pas reconnu, parce qu'il n'a pas reconnu que Jésus-Christ sera le juge qui va juger Mohammed au dernier jour. Ok? Donc, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre a prononçant encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Ok? Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les juifs, qui était venu avec Pierre, fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, c'est-à-dire leur nation. Ok? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi? Il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, les nations ont reçu la grâce de Dieu de participer à cela, puisque Dieu s'est révélé aux nations aussi. Donc, raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire
que le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que les musulmans. Ou que le Dieu que les musulmans servent, c'est le même Dieu que les juifs. Non, ce n'est pas le même Dieu. Et ils ne peuvent pas utiliser la Bible pour justifier quoi que ce soit. Et je me rappelle que je suis tombé sur une vidéo où un musulman, un type qui parlait de Jésus, qui posait des questions littérales avec la connaissance de l'homme. Comme dit 1 Corinthiens 2,14. Mais il ne peut pas prendre des versets bibliques pour argumenter ce qu'il dit s'il ne croit pas dans la Bible. C'est pour cela que quand Ismaël me parlait tout à l'heure, je dis, Ismaël, tu ne peux pas prendre des versets de la Bible pour argumenter ce que tu dis, parce que tu dis que la Bible n'est pas l'objet de ta foi. Donc, tu ne crois pas dans ce que la Bible dit, tu ne reconnais pas que c'est la vérité, la Bible dit. Parce que automatiquement, si Ismaël reconnaît que ce que la Bible dit, c'est la vérité, donc il reconnaît mon exposé est vrai, Jésus-Christ est Dieu. Donc, s'il reconnaît cela, il n'aura plus de parole. Il ne pourra plus parler parce que c'est fini pour lui. Maintenant, il aura tout simplement après à choisir entre le soi-disant Dieu qu'il prétend servir et le Dieu que je lui annonce. Maintenant, comme je dis, je ne peux pas parler de mon Dieu et ne pas dénoncer un autre qui se dit Dieu qui ne l'est pas, qui ne l'est pas vraiment. Parce qu'il faut, un, prouver l'existence de ton Dieu. Il s'appelle comment? Parce qu'il dit Dieu ne peut pas avoir un nom. Donc là, il se contredit lui-même parce que son Dieu à lui a un nom. Et si je lui demande quel est le nom de son Dieu, il va répondre. Donc quand il dit que Dieu ne peut pas avoir un nom, donc il est en train de se contredire. Parce que personne ne peut dire que Dieu ne peut pas avoir un nom. Mais si Dieu ne peut pas avoir un nom, comment on va l'invoquer? Colossiens 3, 17 dit quoi que vous fassiez en parole et en effet, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, dans Genèse, le chapitre, je crois que le chapitre 3, si je ne me trompe, non, le chapitre 4 plutôt, attendez, je regarde ça. Et on ne pouvait pas évoquer Dieu sans connaître le nom de Dieu. Hein? Donc, on va invoquer Dieu parce que Dieu va révéler un nom. Il va attribuer un nom, il va nous donner la possibilité de l'invoquer, ok? Parce qu'il aura un nom, tout simplement pour pouvoir l'invoquer, comme dit Genèse, le chapitre 4, verset 7. Hein? Genèse, chapitre 4, verset 26, pardon. Hein? Seth a eu un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, ça dit, si à la naissance du fils de Seth, c'est-à-dire d'Enoch, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, c'est que l'Éternel avait révélé un nom. Et ils utilisaient ce nom pour invoquer son nom. Parce que vous ne pouvez pas invoquer un Dieu qui n'a pas de nom ou que tu ne connais pas son nom. Comment tu vas l'appeler? Même Moïse disait, tu m'envoies vers Pharaon. Si on me demande comment s'appelle mon Dieu, je répondrai quoi? Et c'est à ce moment-là que l'Éternel va dire à Moïse comment il s'appelle. Voilà comment tu diras que je m'appelle. Et Moïse va pouvoir présenter son Dieu et citer ou présenter le nom de son Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas son nom. On ne peut pas invoquer un Dieu qui n'a pas de nom, qui ne s'est pas révélé. Il faut qu'il se révèle d'abord pour qu'on puisse invoquer son nom. Parce qu'on invoque un Dieu qu'on connaît, un Dieu qui s'est révélé à nous, on l'invoque parce qu'il s'est révélé à nous. Mais si un Dieu ne se révèle pas à nous, nous ne pouvons pas l'invoquer. Tout simplement. Et tous les apôtres et les disciples ont été révélés. C'est pour cela qu'ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ. Comme dit dans Jean 17, verset 6. Regardez, Ismaël avait pris Jean 17, verset 3. Et ça me rend un peu toujours perplexe dans le sens quand je discute par exemple avec un musulman ou avec une autre religion, quelqu'un de notre religion qui ne croit pas dans la Bible ou qui ne croit pas dans ce que la Bible dit et qui utilise des textes de la Bible pour argumenter leur dit et leur fait. Je trouve ça
anormal. Parce que si vous utilisez des textes bibliques pour argumenter vos suppositions ou vos dits, donc c'est que vous croyez dans ce que la Bible dit. Mais pourquoi? C'est comme si vous croyez dans une partie de la Bible, vous ne croyez pas dans toute, ou bien vous choisissez croire, accepter de la Bible. Non, ce n'est pas normal. Soit que vous croyez, soit que vous ne croyez pas. Moi, je ne vais pas prendre des arguments dans un livre que je ne crois pas ou qui ne constitue pas ma foi pour argumenter. Je ne peux pas défendre quelque chose avec quelque chose d'autre qui ne parle même pas de la chose dont je représente. Non, ce n'est pas possible. Ok? Donc, quelqu'un qui va me dire, mais Jésus-Christ, est-il Dieu? Toi-même, tu vas répondre avec ta propre phrase et ta propre bouche. Tu diras, oui, il est Dieu. Ce n'est pas moi qui vais te le dire qu'il est Dieu. Toi-même, tu vas dire qu'il est Dieu. Toi-même, tu vas confesser cela. Ok? Toi-même, tu vas le faire. Parce que si tu crois dans la Bible, tu veux lire la Bible, tu peux lire la Bible, tu acceptes de lire la Bible, tu vas le confesser de ta propre bouche. Oui, il est Dieu. Parce que tu vas le lire. Mais s'il n'est pas Dieu non plus, tu ne vas pas lire et répéter ça de ta bouche qu'il est Dieu parce que ce n'est pas écrit. Mais si c'est écrit. Et c'est la raison pour laquelle avec Ismaël, la question était d'identifier son Dieu et mon Dieu. C'était ça la question. C'est cela qu'il fallait déterminer pour terminer notre partage. Ok? Donc, j'ai identifié mon Dieu, mais lui, il devait identifier son Dieu. Donc, chose que nous n'avons pas réussi à faire, peut-être un autre jour, cela pourrait peut-être être possible, si toutefois Ismaël le décide et le veut bien. Mais, en quelque sorte, bien-aimé, rien et ni personne, si cette personne croit dans les Écritures bibliques, ne peut prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ne peut prouver que Jésus-Christ n'est pas le Père. Personne. Et je mets tous ces gens en défi de me prouver que Jésus-Christ n'est pas le Père, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est un défi. Je ne mets pas en défi ceux qui ne croient pas en la Bible. Parce que si vous ne croyez pas dans la Bible, je ne peux même pas et vous mettre en défi, comment, puisque vous ne croyez pas dans la Bible. Mais si vous ne croyez en la Bible, oui, je vous mets en défi. D'accord? Donc, merci à Ismaël et d'avoir participé avec nous. Ok, merci Ismaël, merci à toi. Et c'était bien de discuter avec toi, merci. Et une prochaine fois, peut-être. D'accord? Donc, mes bien-aimés, soyez bénis, demeurez bénis. Et par la grâce de Dieu, donc nous avons vu qu'il a reconnu que selon ce que j'ai dit bibliquement, sur la base biblique, qu'il y avait un seul Dieu et que ce seul Dieu était Jésus-Christ réellement. C'est vrai qu'il ne croit pas dans la Bible. C'est vrai qu'il n'a pas le même Dieu que nous. Mais dans notre monde, là, dans notre environnement, il a reconnu c'est la vérité. Maintenant, s'il va parler avec des gens d'église traditionnelle, il va pouvoir les fermer la bouche. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir utiliser la Bible pour fermer la bouche des soi-disant et chrétiens ou bien églises qui ne le sont pas en réalité. Pourtant, lui, lui-même, il ne croit même pas. Mais pourtant, il va pouvoir fermer la bouche des gens s'il avait bien compris et bien appris ce que je disais. Soyez bénis et bonne soirée à tout le monde. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'autres personnes qui en ont des questions. Donc, nous allons vous souhaiter une très bonne soirée et nous nous reverrons bientôt par la grâce de Dieu. Et surtout, demeurez bénis, restez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Tout-Puissant, le Père et Seigneur de toute la terre, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée et bon courage à tout le monde. Et merci à toutes les personnes qui avaient pris le temps de participer et de nous assister dans ce moment de partage avec
Ismaël, qui était notre invité sur le fondement des apôtres. Bonne soirée à tout le monde. Je vous aime et je suis condamné à vous aimer. Bonsoir.